Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Letty's Pass of Progress. Nous étions toujours dans notre cité de Hutton et on devait produire 5000 ustensiles sur un an et 2500 habitants dans des maisons ouvrières. Donc nous avions deux quartiers qui sont en train de se développer. Alors oui, et on va avoir besoin des services d'un herboriste. Pour cela, il va nous falloir une herboristerie. On va caler dans ce coin-là, là-bas. Voilà, juste en face de l'entrepôt qui va stocker les trucs d'herboriste. En plus, j'ai déjà dit que j'en avais besoin. Parfait. Et en termes de service, du coup, on va le caler, je pense, là-bas. Juste voir un truc. Eh, j'ai la place. J'ai la place pour mettre le kiosque ici. Et ça me permet de mettre une jolie statue ici. Voilà. Cette ville manque de travailleurs, je sais bien. Mais ça va se demander. Ah oui, pas assez attrayant. Ça, c'est parce que j'ai pas mis de jolis arbres derrière. On va changer un peu d'arbre. Voilà. Et eux, ici, ils ont besoin de plus d'ustensiles. On en a en stock, donc c'est juste à l'épicerie d'aller le chercher. Et je vois que nos finances ont l'air de se stabiliser un petit peu. Nous avons exporté 500 unités de soie cette année. Parfait. Il faut 3, 15, 1500. Alors, qu'est-ce qui leur manque ici? Réclame plus... Ah oui, il nous faut une deuxième source de nourriture. Alors nous, on pourrait fabriquer du pain et de la viande. C'est tout. Mais pour ça, il faut qu'on importe de la farine. Mais avant d'importer de la farine, je veux exporter plus de choses. Ici, on est à 30 pièces. Ah non, c'est les 100 unités. C'est 30 pièces par 100 unités. Et ça, c'est 20 pièces. Ça voudrait dire qu'on ferait quand même un bénéfice, même si on est si on importait à la toque. Sachant qu'on a ce mec qui fait des allers-retours, on pourrait se faire un coin production de pain par ici, si on voulait. Ou alors faire ça par là. Ouais, ça pourrait être pas mal plutôt faire ça par là. Bon, il y a ça qui gêne en plein milieu quand même. Ça me fait un peu chier. On va voir. Si je mets un moulin. J'ai la place de mettre quelque chose par ici ou pas ? Ah, je peux mettre des moulins. Je peux mettre un moulin. Un moulin et un moulin. Ouais, mais c'est trop proche des quartiers résidentiels. Je trouve, en tout cas. C'est joli. Les ustensiles, toujours. Pourquoi il veut pas aller les chercher? Manque léger de main d'œuvre. C'est quoi, on va étendre un peu ce quartier. En plus de la soie, on commence à en stocker un paquet. Et c'est vrai qu'il faut, que j'augmente énormément ma production de, cuivre. Qu'est-ce qu'ils veulent déjà? Ah oui, une nouvelle source de nourriture. Sinon, j'importe directement du pain. C'est ce qu'on va faire, je pense. Juste pour voir. Et du coup, peut-être que je peux exporter... Voilà, je vais ouvrir cette route. Je vais encore exporter des verres à lui aussi. Ça devrait mettre mes ne pas mettre mes finances à mal. C'est ça que je voulais dire. L'acteur de théâtre, il est là, donc ça devrait arriver assez vite. Voilà.
Oui, bon, le fameux procès, ça n'avait, il s'était rien passé. Ok, donc Dupin est arrivé. C'est quoi qui est distribué ici? Service d'un herboriste. Son Rocky. Et on va mettre le kiosque tout de suite. Voilà, le bonheur général qui augmente. Cool. Plus de nourriture. Pas assez attrayant. Ça devrait aller là. Ok, donc du coup maintenant on va augmenter notre production de cuivre. Donc on va avoir un gros afflux d'immigrants. Ce qui va nous permettre d'augmenter notre production d'ustensiles. Oh, on commence à avoir un gros paquet de bière. Ouais. D'ailleurs, j'en produis un peu trop. Est-ce que je peux en exporter? Non. Attendez, je viens de penser à un truc. Arrête d'importer du pain, c'est cher. Importe plutôt du poisson. Voilà. On fera des économies comme ça. Donc, ah ça y est, on a des trucs de niveau 10. Voilà, on peut pas arriver plus bel endroit pour vivre. Ici, ils veulent quoi? Plus de nourriture, ça devrait arriver. Et apparemment, ce premier quartier héberge 1320 et nos 5000 ustensiles, ça va arriver assez rapidement, je pense. Une fois que c'est... Ici, ils auront fini de bosser, là, ça m'étonnerait pas. L'autre, par contre, il... Enfin oui, bah oui, c'est le nouvel empereur. Il nous demande plus d'ustensiles. C'est gentil de sa part. On pourra en exporter un petit peu, d'ailleurs. On va en faire 5000 par année. Je pense pas qu'on ait besoin de 5000 par année. On a 3800 de produits. Par contre, on n'a pas de stock. Hein. Tout fonctionne. Chômage élevé, merde. Mais attendez pas, celle-là. Ah mais c'est parce que les mecs ils ont fini de bosser aussi. Les producteurs d'orge. J'ai presque envie de monter un peu ma production de patates. Qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez de la bière, vous avez de la nourriture, vous avez des ustensiles. Qu'est-ce qui se passe? À cause du chômage? Non, ils s'en vont pas à cause du chômage. C'est juste qu'il y a un service qui a pas dû passer de ce côté-là depuis un moment, du genre le puits. Donc elle est un deuxième depuis moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour que ça retombe aussi bas, il n'y a que le puits. Voilà, donc ça vient à nouveau de se réaugmenter. Et là, ça va remonter à niveau max. Je vais faire un autre entrepôt, moi, ici. Et je vais mettre dedans, je vais tout refuser, et je vais accepter uniquement la bière, les ustensiles, et ce sera tout. Parce que vous voyez ma production de bière qui s'est arrêtée. Il réclame toujours plus de nourriture. C'est pas stock de. Pas de stock de poisson. Le poisson vient d'arriver. On a importé 3200 cette année.
Ah, est-ce que j'importe du blé pour le traiter? Non, c'est pas, je pense qu'on peut atteindre nos objectifs sans forcément avoir besoin d'importer du blé. Donc ouais, nos thunes, ça commence à aller bien. Donc vous savez quoi, on va importer les deux. Et on va probablement ouvrir une nouvelle route dans le dernier là et lui exporter notre soie lui aussi. Et on va peut-être même augmenter notre production un petit peu encore de soie. Je vois qu'on a plus de stock. Ok, donc la production d'ustensiles, c'est bon. On est bien au-delà de ce dont on a besoin. Qu'est-ce qui vous manque ici? Ouais, toujours la nourriture. Comment avec une toute petite ville on arrive à atteindre les objectifs quoi au final. C'est peut-être aussi mon défaut à moi dans ce jeu, c'est que j'optimise tellement, enfin je sais pas après, hein, je voudrais pas me vanter, mais j'optimise tellement tout, les trajets, les positions des trucs là, vous voyez ce genre de choses là. Et d'ailleurs tu peux peut-être aller accepter vu qu'on en exporte. Oh merde. Ah bah oui, bien sûr. Oh putain, en plus il y avait du stock à l'intérieur, cette blaze. Of course que ça s'est effondré. Quel con. Mais du coup, ça vaut pas le coup de le mettre là. Ça vaut le coup de le mettre là. On refuse tout et on accepte uniquement ça et ça. Voilà, en optimisant bien le quartier que vous construisez, le positionnement de vos trucs, vous voyez, le fait d'avoir les capsules là pour les amener, le fait de stocker, de vider et tout, ça permet d'optimiser à mort. Dès que ce quartier monte niveau 10, ça, c'est terminé. La mission est finie. Donc bon, bah, ça me donne l'occasion justement, en attendant que ça se produise, tout simplement de parler voilà, du fait que, bon, bah, je veux dire, toutes les villes qu'on a fait ces derniers temps, c'était un peu répétitif, je trouve. On a fait toujours un, deux, trois quartiers. On a fait notre quartier aussi parfois avec les bourgeois. On a fait nos zones industrielles. On a augmenté notre production en fonction de nos besoins. Il n'y a pas eu de surprise, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas eu de moment où je me suis dit, ah tiens, putain, le jeu, là, il m'a pris au dépourvu. Du coup, j'ai galéré, vous voyez. J'ai pas eu de ça, donc... Bon ben je me retrouve à faire des choses jolies quoi en attendant pour essayer d'apporter un petit peu de... Putain c'est des fontaines de sang. Excellent. Pour essayer d'apporter un peu de variété quoi, mais c'est pour ça. Moi pour l'instant Letis me saoule un peu honnêtement. J'ai plus envie de faire autre chose. De libérer les deux créneaux du week-end pour y mettre autre chose en gros. Voilà. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pense que c'est une bonne idée de changer un petit peu. Parce qu'on a plein d'autres jeux qui nous attendent. Et ça peut être sympa. Vous voyez quand je peux faire des trucs autres qu'avec... C'est joli ça. Ouais, il veut bien amener de la bouffe ici ou pas lui? Vous savez quoi? On va tout refuser ici, sauf ça et ça et de la viande. Et on va faire de la viande pour l'instant. Et on va importer du blé. Ah, ils ont besoin que de ça, du blé. Hein. Ah bah ça y est. Donc voilà, les habitants montent, et vous allez voir que ça va bloquer à 2400. Et je vais avoir l'air malin à ce moment-là.
2060 sur... Ah non, mais c'est parce qu'il n'y a pas tous les bâtiments qui ont été upgradés. Il manque... Ah, le distributeur de nourriture n'est pas encore passé. Et là, ça y est. Et voilà, on a gagné. Je ne pense pas que les intentions du duc Chosen étaient bonnes lorsqu'il vous a envoyé dans ces terres éloignées, mais il semblerait qu'au final, cette expansion soit plutôt de bon augure pour l'Empire. Je compte sur vous pour continuer à développer la région avec la même efficacité qu'à Hutton. Hélène a bâti le premier centre névralgique des terres intérieures. Pendant que quelques autres urbanistes s'affairent à mettre sur pied d'autres colonies avec plus ou moins de succès, la régence étant désormais terminée, nul doute que le développement de la région continue de plus belle. Ok, donc voilà, bon... Combien? 5000 pièces de soins en un an, facile. 300 bourgeois de mort niveau 5, facile aussi, quoi. Donc voilà, bon, pour l'instant, petit break sur la série Letis. Désolé pour ceux qui attendent avec impatience chaque week-end leur série sur Letis. J'espère pouvoir vous mettre un autre jeu qui va vous plaire à la place. Mais moi, voilà, pour moi, c'est trop répétitif. J'aimerais bien avoir autre chose, genre un peu, je sais pas moi, du militaire, de la construction de... J'ai adoré l'épisode au début où on a dû faire à l'observatoire. C'était génial. Pourquoi on me demande pas plus de faire ce genre de jeu? Enfin voilà. Bon, c'est pas un mauvais jeu. Je suis pas en train de critiquer le jeu sur sa qualité et tout. C'est juste que je trouve l'émission un peu répétitive pour le moment. C'est peut-être de ma faute aussi. C'est peut-être à moi aussi de les approcher avec des regards nouveaux à chaque fois. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai quelque chose. J'ai une façon de faire qui marche. Donc je l'applique. Poum. Ben voilà, je finis. Je passe au suivant. Quoi. C'est un peu trop facile du coup. Voilà, donc voilà, désolé pour ceux qui risquent peut-être d'être déçus de cette décision. Mais bon, on reprendra Letis. J'ai envie de finir cette campagne, j'ai envie de voir ce qu'il y aura plus tard. Mais pour l'instant, je suis un peu désespéré, on va dire, sur le contenu des missions suivantes. Donc du coup, voilà, pour l'instant, on va faire un break. On va faire autre chose. On est à la moitié de la campagne en plus, hein, quasiment. Dans une mission, on serait à la moitié. Et on continuera plus tard. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite du coup une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de quelque chose d'autre. Ou à dans longtemps si vous êtes là que pour voir du Letis. Allez, salut à tous.